Je vous redis bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour à tous les agents de la RATP. Bonjour à tous les agents du comité d'entreprise, aux étudiants de l'Alliance française et aux étudiants de l'Institut français de la mode. La présence de ces jeunes, je pense, Agnès B, ne peut que vous plaire puisque la jeunesse est un de vos, voilà. Vous aimez partager, vous aimez transmettre. J'aime les gens en train de se faire. Je trouve que c'est des moments qu'il ne faut pas rater dans sa vie. C'est très important. Tout à fait. Mmh. Et vous le faites en premier lieu avec vos 16 petits-enfants? Oh, 16. Moi, j'en étais à 16. Deux arrière-petits-enfants. Trois arrière-petits-enfants et un autre. Alors, il y en a un entre-temps. Voilà, j'en ai loupé. D'accord. Mais je suis surtout entourée d'artistes, jeunes, de gens que... On va y venir. On est là pour ça. Alors, votre nom de naissance, c'est Agnès Troublé. Et je voulais le citer parce que vous appelez ainsi me tente beaucoup. Je rajouterai un E à la fin, personnellement, puisque j'ai bien compris qu'énormément de sujets vous troublent et même assez facilement aux larmes parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Bon, est-ce que je fais le jeu de mots? Ce nom vous va comme un cardigan, ce fameux cardigan avec des boutons pression molletonnés en coton que vous avez créé en 1979 et qui vous a fait connaître. Oui, entre autres, parce que j'étais très soutenue par la presse à ce moment-là. Oui. C'était une découverte à l'esprit du jour. C'est vrai. Là, on a commencé. J'étais déjà styliste avant. Rue du jour avec ce fameux cardigan. Alors, juste pour en parler deux minutes, vous êtes efforcé de maintenir la production en France tout le temps? Autant qu'on peut. Voilà, près de trois. Et puis, vous avez arrêté de produire ce cardigan parce qu'il a été trop copié? Non, vous avez... Ah, il me semblait que j'ai... D'accord, et ben moi, alors j'ai eu une mauvaise source. Non, on produit toujours à trois. D'accord. Ok. Alors, vous êtes styliste, c'est-à-dire créatrice de vêtements depuis 1973, c'est le dépôt de votre marque. Et vous remarquez que j'évite soigneusement le mot mode, parce que... Je suis styliste et je pense qu'on peut tous diviser. Voilà. Ça, j'aime dans ce travail. Et puis, vous dites que la mode, ben, ma foi, c'est éphémère, ça passe, c'est que c'est pas... C'est des modes. Voilà. Et puis, des vêtements pas datés, mais toujours avec des nouveautés, ben, c'est... Je reste dans mon style, quoi. Et à chaque fois, je fais de nouvelles façons de faire ça. Ok. Alors, 1976, première boutique aux 3 rues du Bac. C'était une ex-boucherie. Je me suis trompée. 3 rues du Jour. Pourquoi je dis 3 rues du Bac? Pardon. Oui. Non, la rue du Bac, c'était notre maison de la nuit. Mais oui, et c'est pour ça que je... On appelait la maison de la nuit. Ouais. Et la maison, la rue du Jour. Et en plus, j'ai bien marqué rue du Jour, mais rue du Bac m'est revenue. Oui, c'était la maison du Jour. Bon, là, je me trompe pas si je dis que vous êtes née à Versailles. Oui. Et que ça a énormément d'importance, je pense, dans votre parcours. Vous remarquerez aussi que je donne pas l'année de naissance parce que c'est pas parce que comme on le fait communément pour une femme, c'est juste parce que j'ai l'impression que pour vous ça n'a aucune importance le temps qui passe. Je sais pas, j'aime la vie, j'aime ce qui se passe, je suis curieuse. Je suis gourmande des choses et puis je fais toujours mon travail avec beaucoup de plaisir et avec l'équipe avec qui je travaille. J'adore être avec eux tout le temps. Je travaille beaucoup, hein, je fais beaucoup de choses, oui. Mais je m'amuse bien aussi. Oui. Vous avez été mariée tôt, à 17 ans, maman à 19. Des jumeaux. À 21, vous reprenez votre liberté. Et justement, ce que j'allais introduire, c'est que vous avez travaillé très tôt et beaucoup dès le départ. Parce que par nécessité déjà oui. pour... Il fallait que je gagne ma vie. Ben oui. Mais mon premier travail, c'était à 17 ans dans une galerie chez Jean Fournier, oui. où j'ai appris à comprendre l'art abstrait et tout avec Jean Fournier, qui était génial. Donc j'ai fait ça, puis après j'ai eu les jumeaux, en effet, pour mes 19 ans. Et à 21 ans, il fallait que je gagne ma vie, ma famille, débrouille-toi, puisque tu divorces. Bon, personne n'a rien cherché à comprendre, des raisons. Mais je me suis retrouvée avec les jumeaux et à devoir gagner ma vie, et ça s'est fait comme ça, en fait. Parce que je m'habillais copus, je m'habillais vintage, bien avant que ce soit la mode, en fait. Et c'est grâce à ça que vous avez... Oui, c'est comme ça que j'avais été remarquée par le journal Elle. C'est ça. Donc j'étais styliste avant d'ouvrir Rue du Jour avec Jean-René Fleurieux, mon deuxième mari, le père de mes filles, la Rue du Jour, donc le 3 Rue du Jour, là où il y a la boutique Homme Agnès B en ce moment. Oui,
Vous êtes passé donc chez elle. Paris. Puis après, un petit peu chez Dorothée. 2 ans chez Dorothée Bis. Ouais. Après, j'étais styliste freelance, donc je dessinais pendant que les jumeaux faisaient leurs devoirs, ou je dessinais la nuit, j'apportais mes dessins le lendemain. Enfin, c'était, je savais jamais quand j'allais être payée. Je sais ce que c'est que de pas savoir comment on va vivre dans les semaines qui viennent, voilà. D'où sans doute vos nombreux engagements. Ça m'a appris beaucoup de choses et je regrette pas du tout. Alors la suite, nous la verrons à la lumière de vos livres. Donc on est ici pour le livre qui s'appelle Je crois en l'âme, qui est un livre un entretien. Paru un livre d'entretien. Oui. En octobre 2019. Oui. Et c'est les éditions Bayard qui pensaient que j'étais pas une catholique tout à fait la catho de base. Ils sentaient que j'étais. De toute façon, on dit catholique de gauche. De toute façon, moi, je suis de gauche. Vous dites que vous ne comprenez pas qu'on puisse être catholique et de droite, d'ailleurs. Et d'extrême droite, encore moins. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, c'est comme ça. On m'a appris, aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est tout. Donc, faire ce qu'on peut faire pour les autres, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Oui. Et pour les jeunes, donc, est sorti en même temps, Je chemine avec Agnès B., qui est petite collection au seuil. L'autre, c'était Bayard. Qui s'adresse aux jeunes. Oui, c'est Je chemine avec. Et il y a pas mal de personnes comme ça qui ont raconté un peu comment elles ont vécu, comment on travaille, comment tout ça. C'est une collection de petits livres. C'est un très, très beau livre. Vous les avez mis à l'écran, vous les aviez, je crois. Oui. Alors, justement, moi, j'ai lu les deux livres, l'un derrière l'autre. Et je trouve qu'ils dressent à eux deux la carte Agnès B. Ils font le tour de vos engagements, de vos amours, de vos blessures, de vos convictions religieuses et politiques. C'est tout votre parcours. Alors, c'est un exercice un petit peu nouveau pour moi, vous le remarquez. Je bafouille un petit peu. Mais pas du tout. De par votre notoriété. Mais je me suis dit, je vais faire comme Agnès B à ses débuts, et puis j'y vais au mieux de ce que je sais faire. Et aussi, votre mère disait, débrouille-toi. Oui, débrouille-toi, oui. Voilà. Mais elle disait aussi, ma mère, que quand j'avais quelque chose dans la tête, j'avais la suite dans les idées. Ça l'énervait quelquefois. Alors que vous étiez quand même quelqu'un de timide. Oui, j'étais timide, tenace. J'étais timide, mais oui. J'avais de la suite dans les idées, c'est sûr qu'il en faut, et bon, il faut s'accrocher. On voit où ça mène, c'est bien. Alors justement, ces deux petits livres sont tout petits, mais sont touffus. Il y a énormément de fulgurances. Ça part un peu dans tous les sens, mais en fait, ça part pas tant que ça dans tous les sens, parce qu'il y a une ligne de conduite sans concession, affirmée et assumée. Alors, ce ne sont pas des livres que j'ai écrits, ce sont des entretiens. Ce sont des entretiens, tout à fait. Donc, j'ai évidemment relu avant la publication. Donc, je suis en accord avec ces livres, mais ce n'est pas moi qui écris. J'adore écrire, mais je n'ai pas le temps en ce moment. Vous avez énormément de projets. C'était ma meilleure matière à l'école de français. Vous y mettez pas les mathématiques. C'est un nouveau projet? Non, mais ça va, j'écris dans ma tête, souvent. Alors, voilà, donc c'est un peu ce que j'ai ressenti en les lisant. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous soumettre des mots ou des morceaux de phrases. Parfois quelques questions aussi, mais voilà, je suis partie de ce que j'ai ressenti en lisant ces deux livres. Alors, je ne vais pas, moi, vous poser de questions concernant la facette stylisme, puisque les élèves de l'Institut de la mode le feront après. D'accord. J'en avais préparé, mais je les garde. Bon. J'essaierai peut-être de me glisser. Oui. Alors, on commence avec Versailles. On peut pas faire autrement. Je suis née à Versailles, à 50 mètres du parc du château. Et j'ai passé énormément de temps dans ce parc. C'était notre jardin quand on était petits, avec mes frères et sœurs. Et plus j'ai été impressionnée par la beauté. D'ailleurs, je dessinais aux Beaux-Arts de Versailles. On m'emmenait aussi là-bas. J'ai commencé à dessiner beaucoup à l'école, puis aux Beaux-Arts, en même temps que j'avais à l'école. D'ailleurs, je faisais 9 heures de dessin par semaine. J'adorais ça. C'était un endroit de calme et j'adorais l'atelier, en fait. Et après, Marie a 17 ans, travaillait chez Jean Fournier, attendre des jumeaux, tout ça, bon, ça a passé vite, hein, tous ces moments-là. Et puis, après, j'ai commencé à être styliste, comme on disait, avec pour Dorothée Bis, par exemple, que j'aimais beaucoup, les Jacobson. J'ai beaucoup appris, j'ai travaillé 2 ans chez eux, mais intense. J'ai pas eu de vacances du tout, je crois,
Mais je les aimais beaucoup, et puis je sais pas, c'était excitant. Dorothée, c'était rigolo. Il y avait beaucoup moins de marques à ce moment-là, donc c'était une marque phare un peu, donc c'était bien. Et déjà ado, finalement, vous parlez des beaux-arts, vous alliez à l'école, et puis vous passiez à l'église le matin. Je traversais l'église en allant à l'école. Oui. C'est ce que j'ai lu, ça m'a... Puis il y avait un moment où j'allais à la messe aussi avant d'aller à l'école. J'avais besoin. Je me rappelle de ça, et ça, ça devait vous faire des emplois du temps déjà, finalement. Oui. Puis je lisais la nuit aussi à la lampe électrique dans ma chambre, avec mes sœurs qui dormaient. Oui. Je lisais énormément. Alors, pour terminer cette première période courte de votre vie, vous êtes mariée tôt. La raison n'est pas forcément facile. Je me suis mariée tôt, oui. Ouais. Vous y échappez. Je me suis mariée à 17 ans, oui. Donc, je trouvais que j'étais une espèce de Lolita. Et ça me jouait des tours, en fait. J'avais des longs cheveux blonds comme ça. Bon. Vous vouliez rester en sécurité, oui, en mariant, finalement. Je croyais. Oui, vous avez essayé. Oui. Alors maintenant, on va évidemment parler de votre foi, puisque c'est le sujet de votre livre, Je crois en l'âme. Qu'est-ce qui vous a poussé à évoquer un sujet Les éditions Bayard qui m'ont proposé, qui j'ai très bien compris que je me sentais pas non plus dans la manif pour tous et dans tout ça, et que si on pouvait parler de ça autrement, ça serait peut-être mon rôle d'en parler autrement dans un petit livre comme ça d'entretien. Donc j'ai fait la maquette du livre, j'ai choisi des images à mettre dans le livre. Il y a des magnifiques photos. C'est ça, le Caravage par exemple, le Christ du Caravage, ou des images comme ça qui sont pas forcément connues non plus, comme la pièce que j'ai du musicien là, comment il s'appelle, qui a fait une espèce de crucifix avec des ampoules, comment il s'appelle? Oui, Dorothée, comment il s'appelle déjà? C'est pas Douglas? Non, c'est pas Douglas. Mais s'il y avait le livre dans les mains, ça m'aiderait. Hein. En fait, oui. Tenez. C'est même... Alain de Vega. Alain de Vega, ouais. Et je voulais aussi vous, Alain de Vega, et les églises. Et Warhol, intéressant, Warhol. Comment la foi, le bruit, comment on peut avoir du doute aussi. J'aime beaucoup, c'est très métaphorique, cette pièce de Warhol. Donc, moi, je retrouve des gens aussi qui doutent, qui croient, qui... Voilà, c'est le sort de tout le monde, ça me touche. Les rencontres, comme avec l'abbé Pierre, c'était formidable. Oui. Voilà. Le dessin de Basquiat, qui m'a ému aussi, espèce de... Basquiat, voilà. On y viendra aussi, la Pierre. J'adore. Oui. Donc, c'est moi qui ai fait les images, qui ai choisi les images du livre. J'ai fait la mise en page. J'ai choisi cette couverture très simple. Et surtout, au début du livre, il y a écrit « Si j'étais née à Marrakech, je serais sans doute musulmane. » Oui. Et parce que je pense que, évidemment, là où on est, dans quelle société, dans quel milieu, dans quel pays, je pense qu'on a tous besoin d'une vie spirituelle. Je pense, et que c'est ça qui nous amène. Et moi, j'ai la foi. Et vous dites que ça vous a soutenu. Et ça m'a toujours soutenu, ça me soutient toujours. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, ou voilà. Vous aimez beaucoup les églises aussi, aller rentrer dans toutes les églises. J'aime les musées, les églises. J'aime la beauté, j'aime la nature. Voilà. Vous aimez tout. J'aime ce qui est beau. Vous êtes aussi passionné de politique. Vous lisez. J'ai toujours aimé. Ça m'a toujours intéressé, la politique. Ouais. Je lis Le Monde depuis longtemps, et depuis que j'ai 17 ans. Tous les jours. Oui, je lis, je ne dis pas de A à Z, mais je suis. La politique, c'est l'histoire en train de se faire, c'est ce que je dis toujours. Et comme j'adore l'histoire, c'est toujours le jour, l'histoire en train de se faire avec des choses tout le temps. Comme le voyage du pape en Irak, ces derniers temps, ça m'a bouleversée, ça m'a fait plaisir qu'il fasse ça. Je trouvais ça formidable. Alors, on va passer à vos engagements, parce que moi, il me reste 10 minutes, j'ai peu de temps, en fait. Allez-y, alors. Oui. Alors, vous avez une multitude d'engagements, pas d'activité, dites-vous. Comment pas d'activité? C'est-à-dire, ce sont des vrais engagements, et pas des activités comme ça. C'est ce que j'avais... C'est-à-dire qu'on a fait un fonds de dotation qui soutient beaucoup de causes.
Oui. Je crois qu'il y a une quarantaine de causes qu'on soutient avec le directeur qui est très sympathique, Sébastien Ruiz, qui fait ça formidablement bien. Ça va des Restos du Cœur à Emmaüs, à la Fondation Abbé Pierre. Mais là, je voulais dire une chose, c'est qu'on, j'ai fait une affiche au profit des étudiants et qui va être vendue au profit des étudiants, 5 euros. Et on la mettra en image si ça vous intéresse. Et c'est pour le Secours Populaire qui a des antennes dans toutes les universités. Donc il y a 15 antennes en France dans les universités. Et l'argent de cette affiche que j'ai conçue, que je vais présenter la semaine prochaine, va être en vente pour les étudiants. Dans les boutiques ? Dans les boutiques, à la Fable, à l'endroit. Oui, bah oui, j'aimerais bien. Et puis sur Internet. Et puis ceux qui veulent mettre plus que 5 euros peuvent mettre plus que 5 euros. C'est ça qui est prévu aussi. Parce que je pense que les étudiants ont énormément besoin de soutien en ce moment. On en parle beaucoup, mais il y a tellement à faire. Il y en a qui n'arrivent pas à manger. Alors, voilà. Heureusement, ils ont fait ces repas à 1 euro. Et puis l'initiative des protections féminines. Il y a beaucoup de choses aussi à faire. Ouais. Ouais. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de quoi vivre. C'est terrible. Voilà. Dans ça, les étudiants. Oui, c'est une déjà que ce n'est pas drôle leur vie. Hein. On le sait bien. Vous savez, j'ai bien compris que ce n'est pas drôle votre vie. Hein. À ne pas voir les copains, à ne pas être avec eux. Pas... J'ai des petits-enfants qui ont 17 ans, qui ont 15 ans. Qui ont... Ouais, ils sont isolés. C'est pas facile. Hein. Alors, sur vos engagements culturels et artistiques, vous avez toujours rencontré des artistes ? J'ai une galerie depuis 83, parce que je trouve que donner à voir, c'est un privilège, c'est formidable de donner à voir. Oui. Je dis toujours qu'on s'expose en exposant, on expose des choix, on expose des goûts. Est-ce qu'on va aimer ça ? Est-ce que tout ça, c'est... Vous dites que la culture nous ramène à notre humanité ? Oh oui, la culture, bien sûr, mais... Et puis, ce que les artistes vous proposent, ça vous fait réfléchir, ça vous... Souvent, ça me motive, ça, moi, ça m'intéresse. Puis j'aime bien la liberté des arts, j'aime bien reconnaître quelque chose d'authentique, une liberté, un talent, tout ça. Et ça donne lieu à des petites conversations rapides, mais où on s'entend bien et où on se comprend. Et vous avez ouvert la FAB, justement, juste avant le confinement. Et la FAB, donc, c'est ce, voilà, juste avant. Mais oui. Mais la galerie du jour est ouverte, qui est là-bas aussi, la galerie que j'ai depuis 83. Elle est toujours, elle est maintenant dans le 13e arrondissement, place Jean-Michel Basquiat. Il y a la galerie du jour et deux salles d'exposition de ma collection. Une manière de partager ma collection en changeant de thème trois fois par an. 5000 pièces. Dans ces salles. Dans ces deux salles. Mmh. Je travaille avec une équipe aussi que j'adore là-bas. Donc, je sais pas, on est dans un mouvement, on est dans une action, on est dans un projet. Tout ça, ça maintient, ça. Je voulais savoir si c'est la place, vie, quoi. J'ai une petite curiosité sur la place Basquiat. C'est vous qui l'avez fait Pas baptiser. Du tout. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est incroyable. Incroyable, hein. Puisque c'est quelqu'un que vous avez rencontré. J'avais fini par le rencontrer très peu de temps avant qu'il meure, oui. Et je l'ai admiré son travail dès le début. J'ai connu très tôt son travail, avant qu'il soit très connu, en fait. J'avais eu une pièce à Paris, et à la Biennale de Paris. Et comme ça, quelqu'un était allé pour prendre ce dessin-là, qui est là, d'ailleurs. Que j'aime énormément, qui est dans le livre, par là. Tiens, ça, c'est le Caravage. C'est... Bon, enfin, le Basquiat, il commence à être connu parce que ses sœurs... Il faut lire le livre, en fait. Ses sœurs m'ont bien laissé... Ses sœurs m'ont laissé faire donc le livre, le T-shirt, avec ce dessin de Basquiat que j'avais acheté en 83. On est vers le début. Ouais. Et l'hiver, par là... Bon, enfin, c'est pas le moment de faire à Agnès, hein, c'est ça. C'est ce destin-là de Basquiat. Je trouve émouvant. Il est très beau. C'est un autoportrait. Hein. Il n'était pas sûr de lui. Hein. C'est comme Armani Corinne, il fait toujours des dessins, ils sont pas sûrs. Mais j'aime beaucoup. Ça le soutien. Oui. Alors, il me reste encore un petit peu de temps. On a parlé de vos engagements solidaires qui ont commencé. Quand j'étais petite, je faisais des trucs déjà. Déjà pour l'abbé Pierre, d'ailleurs. Fait une collecte. J'avais ramassé des bouteilles dans les caves, oui, on faisait ça. J'avais vu sa photo dans Paris Match, ça m'avait donné envie. Donc l'abbé Pierre, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en France, oui. Pas dans tous les pays, pas partout, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire.
C'est lui qui a fondé Emmaüs et surtout l'idée de remettre des gens dans le mouvement, de les refaire travailler, de leur redonner une dignité. C'est ça, la dignité humaine, c'est une chose qu'il faut absolument protéger, garder. Et vous allez continuer avec Sarajevo ? Il y a eu Sarajevo, oui, juste après le siège. Après, c'est vrai que déjà, j'ai cité que ça. C'était déjà au siècle dernier. Ben oui, faut regarder ce qu'il y a à faire maintenant, en fait. Tout à fait. Enfin, ouais. pour donner des exemples de vos engagements, oui, en fait. Oui, mais voilà, ça me semble normal. Je pense qu'il faut que les gens pour qui ça va, fassent des choses. Parler des ultra-riches, il faut absolument qu'ils paient leurs impôts. Je répète ça partout et tout le temps, parce qu'il faut, parce que c'est normal. Quand on est citoyen d'un pays, on paie ses impôts, surtout quand le pays a plein de problèmes, comme en ce moment. Voilà. Vous avez également des engagements dans l'environnement, avec la fondation Tara Océan. Ah ben c'est Tara, La première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan. Oui, c'est le bateau que nous avons acheté avec mon fils Étienne Bourgois, il y a 15 ans, à la veuve de Peter Blake, qui avait perdu la vie à bord. Oui. Oui. Et donc ce Tara est parti pour 2 ans et demi, là. Il y a plein de gens passionnés par Tara, et c'est génial. Mes amis japonais, mes amis à Taïwan, à Hong Kong, aux États-Unis. Moi, j'avais emmené Ban Ki-moon, c'était moi qui étais à bord de Tara, pour recevoir Ban Ki-moon à bord, pendant le tour de Manhattan à New York. C'est vrai que sinon, alors, c'était un moment. Vous n'avez pas le temps d'y aller, j'imagine. J'ai pas beaucoup le temps de faire des voyages de Tara, même si j'adore ce bateau. Mais ce bateau, il commence à avoir une réputation qui me fait plaisir parce que les gens suivent le voyage. Tout ça, c'est pour. Oui, on a mis des artistes à bord depuis quelques années. Et donc, ils font des recherches sur les pollutions des océans et très approfondies. C'est un laboratoire flottant, en fait, alors que c'est tout petit, le coin labo. Ils sont 12 à bord, c'est pas non plus un énorme bateau. C'est vrai. Mais ils sont 12 à bord, dont le capitaine, la cuisinière, les artistes et les marins. Et évidemment, les scientifiques, qui sont 3-4 à chaque voyage. Alors, ils changent après, au bout de 6 mois, ils changent dans un autre pays. Il y a un autre équipage qui vient. Mmh. C'est la même mission, mais qui est poursuivie par d'autres gens. C'est ça qui est beau dans Tara aussi. C'est assez universel. Il y avait une mission sur le plancton, de belles découvertes sur le plancton. Le plancton, c'était trop beau, ça, oui. Vous, en photo, pour un vêtement. J'ai fait des trucs avec le plancton, quand on a découvert ça, avec le microscope extraordinaire que nous avait acheté Le Drian, la région Bretagne, notre ministre des Affaires étrangères actuel. Il nous avait acheté un magnifique microscope pour Tara, c'était sa contribution. Et c'est grâce à ce microscope qu'on a découvert les planctons avec les scientifiques à bord qui ont fait des photos incroyables. Et donc j'ai fait plusieurs vêtements avec ça. Mais c'est tellement beau, c'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est la beauté de la nature, incroyable. Et vous utilisez d'ailleurs toutes ces... Vous croisez finalement toutes vos passions, tous vos engagements. Je fais souvent des choses avec mes photos, ça fait au moins 10 ans que je fais des choses avec les fleurs de votre jardin, j'avais lu. Des photos, des villes la nuit, et des trucs de New York, et ça dépend. Hein, des reflets Amsterdam dans la baie d'Amsterdam. J'ai des trucs comme ça, mais je m'amuse bien avec ça. Oui, je crois que le jeu, c'est... Ah oui, il faut que ce soit... Il faut, comment dire... D'abord, il faut croire dans les choses, faut avoir un peu... Je pense un peu aux étudiants en mode, enfin, en tout cas en design de vêtements. Et il faut imaginer que c'est des vêtements pour la vie, quand même. Surtout avec le fast fashion actuel. Je pense qu'il faut vraiment faire des vêtements pour la vie. Hein. Parce qu'il faut s'habiller tous les jours, il faut se faire plaisir un peu, il faut arriver à mélanger les choses nouvelles avec les choses anciennes. Il faut être personnel aussi. C'est vivant, la mode. Enfin, la mode, non, le stylisme, le vêtement. Oui, le vêtement. Vous avez peur de la mode. J'ai rien, finalement. Non, mais la mode, c'est vrai que ça existe, mais le fast fashion, tout ça, c'est... Moi, je suis plutôt slow fashion. J'aime bien quand ça évolue et que c'est des nouvelles choses, mais que c'est pas des trucs qu'on jette au bout de quand on les a portés 3 fois. D'ailleurs, je suis en train de faire tout un travail en ce moment artistique, plus ou moins. Et je vais sortir un autre livre bientôt avec des photos que j'ai fait pendant le confinement chez moi, avec ma garde-robe. Ouais.
que j'ai prise en photo en mettant des personnages avec une artiste que j'adore, c'est Pierre Tabouret, et on a fait, je suis en train de faire ce livre. Pour montrer que les vêtements pas datés, c'est quand même intéressant parce qu'on peut toujours les reporter, les croiser, les mettre autrement, les porter autrement. La ceinture basse, après on la met là, après, bon. Les choses peuvent, c'est sa personnalité à soi qui fait évoluer une garde-robe aussi. Est-ce que vous faites d'ailleurs, avec les vêtements, vous reprenez des modèles, vous en avez envie et vous les transformez de saison en saison? Quelquefois, je reprends un modèle d'il y a longtemps, mais la plupart du temps, c'est quand même des créations du moment, parce que les tissus évoluent. Puis je fais faire les dessins de tissus aussi. Mmh. C'est de A à Z, on fait faire les tissus beaucoup. Oui. C'est exclusif chez nous. Donc, y a de quoi faire. Oui. Et d'ailleurs, si on parle de votre marque, donc vous en êtes toujours propriétaire. Alors, vous dites grâce à mon bon sens. J'ai beaucoup aimé cette... J'ai vu ça dans une interview. Ça m'a beaucoup plu. Vous avez plus de 300 boutiques dans le monde. Et vous n'avez jamais fait de publicité? Non, on n'a jamais fait de publicité. Je suis en forme, mais 68 mois. Oui. La publicité, la publicité est con, elle vous rend con. C'est ce qu'il y avait sur les murs pendant 68. Oui, mais c'est à cause aussi des situationnistes, de plein de raisons en fait. C'est une manipulation, tout ça. J'aime pas, j'ai jamais fait de publicité, mais c'est vrai que j'ai été soutenue par la presse beaucoup, beaucoup. Ça continue d'ailleurs, mais moins qu'avant à cause des annonceurs et tout ça. C'est plus la même organisation, le aussi. C'est plus tout à fait pareil qu'avant. Plus, mais bon, ça va quand même très bien. Puis on a des clients contents, alors ça me fait plaisir. On a des petits mots tout le temps, des clients qui sont contents, tout ça. Ça fait plaisir. Qui communiquent, ils savent que vous aimez ça. Ils savent que, oui, puis, je sais pas, il y a une fidélité à la marque aussi, et puis des nouveaux, parce que maintenant... Moi, je vois les filles, mes nièces, elles portent les vêtements de leur mère qu'elles portaient il y a 20 ans, quoi. Mmh. Et ça leur va aussi bien qu'à leur mère, c'est marrant. Ça me fait plaisir, intemporel. Ces vêtements intemporels, oui. Et 40% des vêtements sont toujours fabriqués en France. Oui. Et le reste, dans des endroits éthiques, qui garantissent... Mais souvent, c'est des fabricants français qui ont délocalisé une partie. Mmh. C'est pour ça qu'on a été obligé de les suivre. Mais autant que possible, on fabrique... En France, 40% plus dans des pays en développement, mais comme Madagascar où ils font des broderies, mais toujours dans ce que font les pays. C'est-à-dire que l'alpaga, par exemple, au Pérou, ben, c'est la laine des lamas. Nous, on fait les pulls en SB au Pérou. On fait le cachemire en Mongolie parce que c'est là où il y a la production de la laine. À chaque fois, on essaie le plus possible de soutenir à la fois la valeur ajoutée du pays à ce qu'ils font comme matière première. Et vous faites attention, évidemment, aux conditions de travail, de production. Ben ça, les du coup. Évidemment. D'abord, on se déplace dans les usines, on sait. Mm. On est très, très pointilleux sur tout ça, depuis longtemps. C'est pas un truc de mode, justement. La mode, en ce moment, commence à se pencher là-dessus, et Dieu sait s'il y a à faire. Vraiment. Alors, je vais passer la parole... à Delphine et aux étudiants. Absolument. Pour justement aborder le sujet de la mode plus précisément. Vous allez voir, ils ont des questions très précises à vous poser. Ah bon. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être là au nom des professeurs de l'Alliance française. Je remercie d'emblée le service culturel de nous avoir donné cette opportunité de faire venir pendant cette conférence et de s'adresser à vous directement. Agnès B. Alors avant de leur laisser la parole, je vais, si vous le permettez, les présenter rapidement. Donc ce sont de futurs acteurs et spécialistes de la mode puisqu'ils ont intégré l'IFM, l'Institut français de la mode, qui prépare les étudiants des carrières dans l'industrie textile, dans la mode et dans le luxe. Et chaque année, l'IFM nous confie des groupes d'étudiants étrangers que nous accompagnons dans l'apprentissage et le perfectionnement de la langue française. Nous profitons de ces opportunités, de ces classes également, pour traiter les aspects culturels et également des aspects professionnels, puisque certains d'entre eux seront amenés à faire des stages en France et parfois à occuper des postes au sein de grandes maisons. Alors, nous avons préparé cette rencontre en amont dans nos classes et les étudiants ont dégagé
trois grands thèmes qui vont rythmer justement ces échanges. Alors, le premier thème porte sur votre parcours et vos inspirations. Ensuite, il souhaite vous questionner sur votre marque et bien sûr sur la maison Agnès B. Et enfin, nous reviendrons sur vos engagements. Ils ont beaucoup, beaucoup de questions à vous poser à ce titre. Alors, une toute dernière petite précision. Certains étudiants sont débutants. Il s'agit des classes de Sylvie Hambourger. Ce sont des étudiants qui préparent actuellement un bachelor en création. Et par ailleurs, vous entendrez également des étudiants de niveau avancé, la classe de Lord Rouet et ma propre classe. Et ce sont des étudiants qui préparent un master de marketing et de management dans le secteur du luxe. Je crois que j'ai été complète. Bon, donc, sans plus attendre, nous allons donner la parole au premier étudiant. Bonjour. Alors, on va essayer d'établir la connexion avec le premier étudiant, la première étudiante, il me semble. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, dire votre prénom, votre nationalité et poser votre question? Je m'appelle Paula. Je suis allemande. Enchantée, Agnès B. Où avez-vous étudié la mode? Nulle part. J'ai pas à étudier la mode. J'ai appris en le faisant. Tout ce que je sais faire, j'ai appris en le faisant. Ah, oui. Merci beaucoup. Oui, mais c'est un métier où l'expérience compte énormément et je vous souhaite bonne chance. Non, mais c'est bien. Merci c'est bien. Beaucoup. C'est un métier excitant, hein, vraiment. Merci beaucoup, Paula, pour cette première question. C'est vrai que je n'ai pas appris la mode. Vous l'avez découverte? Oui, j'ai appris en le faisant, c'est vrai. Vous avez appris à dessiner, en fait? Ben, je dessinais, oui. Et puis de l'art. Non, mais c'est vrai que je choisissais des vêtements à elle. Au lieu de les choisir, je me suis dit, mais c'est mieux que j'en fasse, en fait. C'est comme ça que ça s'est connecté avec Dorothée Biss. Oui, avec Dorothée Biss. Il a vu tout de suite que j'avais le goût de ça, que j'avais le faire très vite et... J'ai appris un peu sur le tas, quoi. C'est un beau message pour nos étudiants, justement, aussi. Il ne faut pas hésiter à se relever les manches. Écoutez, vous tous, les étudiants de l'Institut français de la mode et d'ailleurs, les conseils d'Agnès B. Oui, je pense qu'on vous dit de faire une planche d'échantillon, ben vous faites une planche d'échantillon. Ah, elle a peut-être sa question. Ah, voilà, nous accueillons une nouvelle étudiante. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ok, super. Présentez, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. D'abord, merci pour être ici avec nous. Je suis Chiara, je viens d'Italie. Et ma question est, est-ce que vous sentez que votre créativité a changé dans le 2020, cette année un peu particulière? Et avez-vous découvert dans cette période des sujets qui vous inspirent particulièrement? En 2020. En 2020. C'est-à-dire pendant le confinement. Oui. Oui, voilà. Je sais, l'Italie est très touchée aussi. J'adore l'Italie, vraiment. Oui, bien sûr, j'ai eu du temps. J'avais jamais de temps. Donc là, j'avais du temps et j'ai fait ce tour de ma garde-robe à faire des photos de tout ça. Et je vais sortir un livre. Donc, en effet, le temps, mon seul ennemi, m'est tombé dans les bras. J'avais écrit sur le tableau noir, voilà. Dans c'était la cuisine. Votre mantra, en fait, pendant ça. Cette période. Pendant le, il y a un an, exactement, maintenant un an. Oui. Et vous avez découvert des sujets qui vous inspirent particulièrement ou rien de nouveau? Ah si, tout le temps des trucs nouveaux. Moi. J'ai fait des photos d'affiches déchirées. Après, je fais des t-shirts avec les photos d'affiches déchirées. Je peux... En fait, moi, je travaille n'importe quand. Vous voyez, faut que les idées les attraper au vol. Tout est source d'inspiration. Oui. Moi, je sais que je suis comme ça. Hein. Oui. Merci beaucoup. Bonne chance, Chiara. Merci. Et j'espère que cette réponse va vous inspirer, Chiara, dans votre travail. Oui, bien sûr.
Merci. Merci beaucoup. Donc, après ces premières questions qui ont porté sur le parcours, votre parcours et vos inspirations, on va passer à la marque et la maison Agnès B. Donc, nous accueillons Giorgio. Oui. Bonsoir. D'où venez-vous, Giorgio? Je m'appelle Giorgio et je suis russe et italien. Et, nous vous écoutons. Oui, et ma question quel était votre objectif principal lorsque vous avez décidé d'ouvrir votre marque? Ben, c'était gagner ma vie d'abord, je n'avais pas du tout d'argent. J'ai dessiné des vêtements et ça a marché, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, c'était pas une vocation, mais presque. Ma mère faisait de la couture, mais moi, je n'aime pas la couture. J'aime bien que quand je fais un dessin, je corrige le modèle. Vous savez comment c'est, vous connaissez la mode. On corrige la toile et jusqu'à ce que ça soit comme on veut, avec l'atelier. C'est un travail tout le temps de mise au point, de savoir ce qu'on veut, de trouver la ligne qu'on veut. Et ça, c'est intéressant. Vous faites des études de mode? Oui. George, oui. J'ai étudié à la mode. Justement, il me semble que vous êtes en création, Giorgio, n'est-ce pas? Oui. Vous étudiez où? Excusez-moi. Vous étudiez où? En France ou à Moscou? À l'Institut français. Ah oui. Oui, à l'Institut français de la mode. De la mode, ah oui, d'accord. Oui. Donc vous êtes à Paris? Il est à Paris, oui. À Paris, oui. Allez, à Quai d'Austerly. Oui, je sais. Oui. Le truc vert. Hein. Oui. Oui, exactement. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Nous allons passer à la question suivante. Et cette fois-ci, donc toujours dans le cadre de la maison et de la marque, oui. Agnès B, cette fois-ci, nous allons écouter Kamanouk. Si tout fonctionne, pas encore. Alors, Kamanouk, la personne qui va prendre la parole, est également une étudiante en bachelor de création, comme Giorgio, que vous venez d'entendre. Et donc, elle va vous interroger sur la marque. Alors. Deux petits problèmes techniques. Alors, vous parliez, on va peut-être poursuivre cette conversation sur la création. J'ai cru comprendre que finalement, vous étiez davantage dans la conception et que c'est ce qui vous plaisait particulièrement. Moi, je vais laisser la place au Kamel et à Kamandou. Bonsoir. Je m'appelle Kamanouk, Thai long days. Quels sont vos vêtements préférés? Quels sont mes vêtements préférés? Bah, j'ai un t-shirt rayé là aujourd'hui, bon, que j'ai depuis très longtemps. Striped t-shirt, jacket, une veste que j'ai depuis très longtemps aussi. Bon, en fait. Ça fait partie de vos vêtements préférés? Oui. Ah. Mais il y a des vêtements aussi. Merci. Merci beaucoup, Kamanouk. Bravo pour le français. Merci. Hein. Bon. Merci. Et vous avez d'autres pièces préférées, justement, dans votre vestiaire? Non, mais je n'ai pas trop de pièces préférées, moi. Je n'ai pas mes enfants préférés, je n'ai pas mes... Non. Vous même les vêtements. Ça, mais si, mais ça dépend des jours, on a envie d'être comme ça. Ça dépend du temps qu'on a. Hein. Des jours où c'est aussi. Un peu rapide. Hein. Ouais. Oui. Alors, poursuivons nos échanges, si vous le voulez bien. Avec une nouvelle question. Bonsoir. Je suis Hannah et je suis américaine.
Quelle est votre création préférée? Déjà plein, hein. Une pièce peut-être en particulier. Il y a des jupons, il y a un jupon que je fais à trois volants, mais il y a très longtemps que je refais maintenant. Pour l'été prochain, la jupe tango, elle s'appelle. C'est une jupe en toile à beurre à trois volants qui arrive un peu au-dessus de la cheville et qui est très jolie avec des tout petits tops ou n'importe quoi. Bon, mais c'est dur dans mon cas d'avoir un vêtement préféré. Parce qu'il faut que j'aime tout ce que je fais. Il faut que j'apprécie, ben oui, bien sûr. J'ai d'être convaincue par un vêtement que j'ai fait. Donc, voilà, c'est comme ça. D'accord, merci beaucoup. Bien. Au revoir, Anna. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons laisser la parole à Mar. Bonsoir, Mar. Bonsoir, je suis Mar, je m'appelle Mar, je suis espagnole. Et j'ai ma question, je voudrais savoir comment développez-vous votre sens créatif? Comment développez-vous votre sens créatif? Votre créativité? Je continue à le développer, oui. Est-ce que vous avez des secrets à livrer aux étudiants de l'Institut français de la mode? Je crois que c'est le sens de la question. Oui. Les secrets. Les secrets. Ben, il faut être, il faut douter, c'est bien, pas être sûr, mais après... Il y a un moment où il faut y croire. Hein. Vous pensez que vous allez avoir du talent, il faut y croire. Vous faites des dessins, vous commencez déjà à faire des vêtements. Vous dessinez des vêtements, oui. Oh non, je suis une étudiante en management. En management, c'est autre chose. Là. Moi, je suis... Bon, est-ce que je suis une bonne manageuse? Je crois que je suis une paysanne qui a les pieds sur terre, plutôt. Oui. Mais bon courage pour le management. Hein. Merci. Pour vous entourer des gens, il faut travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. Pour le management. Oui, je pense. Merci. Merci beaucoup, Mar. Mar. Alors, nous allons enchaîner. Non. Alors, les questions suivantes seront posées par des étudiants en marketing et en management. Ah bon hein. Voilà. Donc, nous allons écouter Alessia. Bonsoir. Alessia. Bonsoir. Je m'appelle Alessia et je suis italienne. Et ma question est si vous avez des conseils à donner à un étudiant comme nous qui souhaite créer sa propre marque, sa propre entreprise, et quelles sont les qualités les plus importantes pour réussir? Je pense que c'est le respect des gens à qui vous adressez, le respect des clients. Ça veut dire que il faut donner confiance aux gens dans votre marque pour qu'ils puissent vous suivre et qu'ils soient fidèles et qu'ils découvrent votre marque. Il y a beaucoup, je pense, qu'il faut une morale dans tout ça et qu'il n'y en a pas assez dans certaines entreprises. Il ne faut pas de cynisme. Il faut être plutôt ouvert et essayer de comprendre aussi les gens qui vous intéressent. C'est dans les deux sens, du management, de la... Tout ça, c'est du respect aussi des gens à qui on s'adresse pour qu'ils prennent confiance en vous. Voilà, c'est important. Ok, merci. Ah, et voici déjà. Ah, c'est Lavinia. Lavinia qui n'a pas pu poser sa question tout à l'heure. Tout au début. Lavinia, ça, c'est Joséphine. Vous entendez... Oui, je vois Joséphine. Eh bien, Joséphine, on va vous laisser la parole. Oui, bonsoir. Je m'appelle Joséphine, je suis allemande et j'aimerais bien savoir au cours de votre carrière quels ont été les défis les plus grands et comment vous avez les relevés. Et ensuite, j'aimerais aussi savoir si vous avez toujours eu confiance en vous. Mais on apprend à se faire confiance hein, quand les choses marchent. Les plus grands défis, je ne sais pas. Moi, j'avais fait une petite boutique tranquille et puis après, ça a grandi. On dit c'est pareil de faire pour une boutique que pour 200, mais je trouve pas que ce soit tout à fait pareil. Non. Mais j'avais pas vraiment d'ambition, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que j'étais entourée de mon mari, mon fils qui voulait grandir. Bon, mon fils a commencé à 20 ans à travailler là un peu avec sur le management justement. Alors que moi j'ai toujours fait le design. Mais il faut garder les pieds sur terre, il faut être
Vous voulez faire du management, vous, c'est ça? Non, en fait, je viens de la création. Ah bon. Et, j'ai décidé de suivre ce master en management pour compléter un peu ma c'est partie bien, créative. C'est bien, moi le management, oui. Je l'ai appris en le faisant, voilà. Oui, je vois, mais c'est quand même un défi aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut être un peu au courant quand même pour pouvoir faire sa propre marque. Oui, c'est vrai, tout à fait. Très bonne chance alors, hein, Joséphine. Je vous remercie beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors, est-ce que... Parce que je suis pâle dans l'écran, je ne me reconnais pas. Hein. Non, mais vraiment. On partage, regarde, on partage. Coup de blême. Nous, on n'est pas toutes les deux. Ah, et nous allons écouter Mouna. Bonsoir, Mouna. Bonsoir, désolée, ma caméra ne marche pas. Je m'appelle Mouna et je viens de Chine. Et ma question est, maintenant que l'ANIEP n'est plus fabriquée 100% en France, comment renforcer l'héritage et le savoir-faire de la marque? Merci. Ah non, mais ça fait longtemps qu'on ne peut plus tout travailler en France, malheureusement. Oui. Justement, ça fait longtemps qu'on ne peut pas tout fabriquer en France. Et je tiens beaucoup à garder les savoir-faire, c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Mais 40%, c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup par rapport à d'autres marques. Alors, on est très fidèles aux ateliers qui se tiennent, voilà. Mais il y a moins de formation en France pour la couture. En fait, pour les usines, ce sont les usines qui forment les mécaniciennes. Donc, mais on fait des pulls, on fait plein de choses en France. On a la carte de France avec tout ce qu'on fait en France. Sur le ça, site. C'est rigolo. Oui. Ouais, sur le site, il y a ça. Parce qu'on fait des tas de choses en France. Des t-shirts, des pulls, des robes, des costumes d'hommes. On ne peut plus les faire en France. Il n'y a pas vraiment d'usine en France. On en fait un peu en Italie. Qui c'est qui sifflote, là? D'accord. Merci beaucoup. Et de rien. Merci Mouna. Pour poursuivre sur la question de Mouna, justement, comment vous valorisez ce savoir-faire, comment faire quand on n'a plus accès à des métiers de main, comment vous prospectez en fait pour trouver vos différents. Et je vous dis, on va à Madagascar pour les broderies, par exemple, parce qu'on sait que c'est une tradition là-bas. Oui. Mais on fabrique en Tunisie, on fabrique au Portugal, on fabrique plutôt en Union européenne et je vous dis en Tunisie, en Espagne un petit peu, en Italie aussi, parce que fabriquer en Europe, c'est bien aussi. C'est une façon aussi de valoriser justement les savoir-faire d'autres pays. De pays proches de nous aussi, oui. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer à la question suivante. Bonsoir Clara. Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Clara et je suis de la Belgique. Et mon question est, comment voyez-vous le développement de la marque dans le futur? Et est-ce que ce futur est différent de la vision que vous aviez avant la pandémie? Ah, la pandémie, c'est une chose à laquelle, évidemment, on n'était pas prêt. Mais on ne peut pas se plaindre parce qu'on a eu quand même des clients qui sont toujours revenus. Je ne suis pas la plus à plaindre du tout à Paris, par exemple. Même les soldes, tout ça. Après la pandémie, écoutez, on aura du stock. Il y a des boîtes qui ont du stock énorme, qui n'ont pas réussi les soldes. Donc moi, je fais la collection de l'été prochain en faisant moins de modèles aussi. Peut-être un peu moins de modèles, mais... toujours beaucoup de création et beaucoup d'idées parce qu'il faut quand même, voilà. Et poursuivre aussi dans des nouvelles couleurs les choses que les gens aiment, comme le snap cardigan, le cardigan pression par exemple. Et les combinaisons, ils adorent les combinaisons chez moi aussi. Mais je vois des copies beaucoup, hein. Ça veut dire que c'est bien si on est copié, non? Quand on est copié, ça veut dire que c'est bien, oui, je pense. Ok, merci. Ouais. De rien. Merci, Clara. De rien. Et nous écoutons. Ensuite. Et bonne chance, hein, les filles. Daniela. Daniela, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfaitement. Oui. Je vous remercie beaucoup pour l'entretien. Et alors, je m'appelle Daniela, je suis espagnole.
Et ma question est, positionnerez-vous votre marque comme une maison haut de gamme durable? Et sinon, comment la définirez-vous par rapport au secteur du luxe d'une part et au développement durable d'autre part? Le développement durable, on est là-dessus depuis très longtemps, puisqu'on utilise des matières naturelles, du lin beaucoup, du coton. J'ai toujours été quand même soucieuse de ça, soucieuse de l'environnement, puisqu'il y a Tara depuis 15 ans. Et c'est même pour ça, c'est parce que je suis soucieuse de l'environnement, que j'ai acheté ce bateau, qu'on a fait cette fondation Tara. Mais le développement durable, on est là-dessus beaucoup. Hein. On fait très attention, on fait attention au voyage, que les marchandises ne voyagent pas trop. Enfin, tout ça, c'est dans notre tête, hein. on est dedans, hein. Vraiment. Alors, je vais reprendre, si vous le permettez, la première partie de la question, Daniela. Oui, peut-être pourriez-vous la répéter, oui. Juste le début de la question, s'il vous plaît. Oui. Comment définirez-vous votre maison par rapport au secteur du luxe? Vous les considérez comme une maison haut de gamme? Non, mais bon, on est un peu cher parce qu'on fabrique en France et que le salaire n'est pas le même hein, en Europe. Je ne sais pas comment on fera l'Europe avec des gens payés 800 euros dans certains pays. Et en France, c'est au moins le double. Bon, donc les prix, mais je ne suis pas dans le luxe vraiment, parce que le luxe, quelquefois, je trouve ça trop... À notre époque, je trouve ça... Les trucs... Un sac à 3500 euros, par exemple, je trouve ça anachronique quelque part. C'est deux fois le salaire ou trois fois le salaire. Donc, ça veut dire que j'ai pu m'acheter un sac à 3500 euros. Moi, ça ne dit rien. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais en revanche, il y a cette préservation justement des savoir-faire qui vous permet de vous positionner tout de même. Oui, ça devient... C'est un peu cher, mais c'est pas du luxe qu'on fait. On ne peut pas dire qu'on est dans le luxe complet où c'est beaucoup plus cher hein, quand même. Nous, on est entre les deux, justement. Voilà. Alors, je suis ravie que vous apportiez cette réponse à mes étudiants parce que, justement, je n'étais pas en mesure pendant le cours de leur répondre. Et voilà pourquoi Daniela vous a interrogé dans ce sens. Oui. Merci beaucoup. Merci, Daniela. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance, Daniela. Hein, parce qu'elles sont dans le futur, hein, toutes. Et maintenant, c'est Ashley qui va prendre la parole. Bonsoir, Ashley. Bonsoir, je m'appelle Ashley et je suis coréenne. Ma question est, pourriez-vous expliquer votre stratégie d'entreprise familiale pour concurrencer les grandes maisons en groupe et entreprises en groupe? Entreprise en couple. Alors, la question porte davantage sur la structure, en fait, la structure de plus familiale de votre maison. Oui, enfin. Qui s'inscrit un peu comme tel, tout au moins. Comment faites-vous face aux grands groupes, en fait? Et nous, on a gardé la maison. En effet, c'est une entreprise toujours familiale, disons. Elle est toujours en possession de la famille. Voilà. Mais sinon, on a beaucoup de gens qui travaillent pour nous. Comment on fait pour. Je ne sais pas. Parce que c'est le fait que ça marche, Agnès B., que les gens aiment Agnès B. quand même. Et que la clientèle se renouvelle et qu'il y a des jeunes qui viennent acheter Agnès B. Et voilà, c'est comme ça qu'on tient le coup. Et c'est la création aussi, ça compte beaucoup la création. Qu'il y ait des choses nouvelles, des couleurs nouvelles, des imprimés qu'on n'a pas vus. Je pense qu'on a de la chance, en effet. Parce que je ne me sentirais pas du tout de travailler pour un groupe, en fait. Non, mais il y a une forme de fidélité, finalement, dans cette création. Oui, fidélité, mais fidélité, l'envie de faire plaisir aux clients. Donc, voilà, si vous avez envie de faire plaisir, vous avez des idées, vous les proposez, voilà. C'est quand même ça. Et puis, j'espère bien rencontrer un jour styliste, garçon ou fille qui continue Agnès B. dans le même esprit, dans le même esprit plus tard, hein, parce qu'il y aura bien un jour où, bon, ça s'arrêtera, mais bon. J'y crois. Je crois aux rencontres. L'envie, c'est pas... Non, mais je crois aux rencontres. Et puis, non, je suis pas du tout... J'aime beaucoup ce que je fais et je le fais avec grand plaisir. Je vous l'ai déjà dit. Merci. Merci beaucoup, Ashley. Merci. Merci. J'espère que ça va, la réponse. Hein. Je suis sûre que c'est parfait. Nous allons aborder plus précisément la question du développement durable avec une nouvelle question de Mouna qui, a priori, n'a pas réparé ses problèmes de caméra. Nous vous écoutons, Mouna.
Bonsoir, c'est encore moi, Mona. La question est, pour vous, est-il nécessaire pour la maison de changer le calendrier de la mode à l'image de Gucci, par exemple, avec moins de défilés pour encourager le développement de la mode? Ça fait longtemps que je ne fais pas des défilés, moi. J'en ai fait, il y a longtemps, je faisais des films défilés, des petites histoires que je racontais. Et c'est ce que les autres font en ce moment, voilà. Mmh. On en est venu à faire ça, puisque les défilés, on a été obligé il y a un an de ne pas faire le défilé à cause du Covid. Donc, voilà. Et vous pensez que c'est une bonne chose, justement? Mais je pense que c'est bien, je pensais anachronique, les défilés. Parce que c'est filmé, de toute façon. Alors, autant faire des films, en fait, finalement. Ça coûte très cher, un défilé. C'est tellement éphémère. En 20 minutes, c'est fini. Alors que c'est des mois de travail, hein. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question suivante et pour ce faire, nous allons écouter Fernanda. Bonsoir. Fernanda. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Fernanda, je suis brésilienne et je voudrais savoir quelle est la stratégie de la marque pour s'améliorer encore plus dans le domaine de la durabilité à l'avenir? Quels sont les plans? Il y a tellement à faire hein, pour la durabilité. Je sais, le Brésil, c'est un pays que je n'ai jamais été, mais que j'apprécie beaucoup pour tous ses talents, justement. Et ben, il y a beaucoup à faire au Brésil, je sais bien. Donc, c'est à vous, les jeunes, de faire ce qu'il faut hein, pour la durabilité, pour tout ça. Il faut être exigeant. Hein. Je vous souhaite beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup à faire. D'accord, voilà. Merci. Il faut y croire, hein. Il faut se battre aussi. J'ai confiance en vous, Brésiliens. Merci. Bon courage. Hein. Bravo. Merci. Alors, nous allons poursuivre les interrogations des étudiants et passer cette fois-ci à la question de l'humanitaire. Et nous écoutons Louise. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Donc, je m'appelle Louise, je suis belge. Et je voudrais savoir... C'est votre fête aujourd'hui, bonne fête. Merci. <Oui. rire> et je voudrais savoir quels sont vos engagements humanitaires et par exemple, dans quel pays, dans quelle association humanitaire êtes-vous engagée? Et on soutient beaucoup d'associations en France, où il y a beaucoup de gens à soutenir, hein. En effet. Et ce n'est pas tellement dans les pays lointains, c'est quand même plutôt localement les restos du cœur, il y a des gens qui ne mangent pas en France. Hein. Faut pas croire que c'est un pays de cocagne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très serrés du point de vue quotidien. Donc, on soutient des choses beaucoup localement. On a Tara, que je soutiens aussi pour l'écologie. Et puis sinon, je voulais dire aussi que j'admire beaucoup les gens qui sont prêts à partir, les gens jeunes, qui sont prêts à partir pour des causes et pour des associations... Il y a des gens formidables, vraiment, partout, heureusement, qui sont prêts à partir, à aider. Oui, sûr. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci Louise. Nous accueillons Niklas. Bonsoir, je m'appelle Niklas, je viens d'Autriche. Merci pour votre présentation ce soir. Et ma question est, quels sont les projets futurs les plus importants et les plus stimulants pour Agnès B? Et dans quel secteur souhaitez-vous vous engager? Eh bien, je continue avec, je viens d'ouvrir il y a un an la FAB, ce musée un peu, il est malheureusement rangé dans les musées, donc on ne peut pas avoir de visiteurs, mais c'est ça qui m'intéresse énormément, c'est les jeunes artistes, c'est voir ce qu'on peut faire pour eux. J'ai une amie qui veut les aider aussi, c'est Diana Picasso, là, qui est la petite fille de Picasso, qui est formidable, pour aider les jeunes artistes qui ont besoin de matériel, qui ont besoin de lieux pour travailler, qui travaillent souvent dans des squats à plusieurs. Enfin, moi, c'est beaucoup les artistes que je soutiens, les jeunes artistes, mais pas que ça. Hein. Merci beaucoup. Ça vous va? C'était vos projets futurs, les projets, de façon plus générale. C'est continuer à faire des expositions et à continuer à être un ISB existe et que ça soit vivant, quoi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, Niklas. Bonsoir. Merci.
Alors, nous allons poursuivre sur vos engagements avec une nouvelle question de Vasia, si elle arrive à se connecter. Alors, elle va aborder un thème un peu plus large. Oh non, non, pardon, pas finalement. Ah si, voilà. Bonsoir, Vasia. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Je m'appelle Vasia et je viens de Grèce. Je voudrais vous demander que signifie l'inclusion et la diversité pour la marque AgnesD et pour vous en tant que personne. Et avez-vous mis en place une stratégie pour vous assurer que vos équipes sont diversifiées et qu'il n'y a pas de discrimination lors des processus d'embauche? Merci. Oh, c'est genre d'histoire hors de question. Je crois qu'il y a 25 ethnies d'origine différente dans la maison. 24 ou 25 origines différentes dans la maison. Non, mais je suis pour la diversité, bien sûr. J'ai d'ailleurs dans ma poche mon badge. C'est une manifestation où j'étais pour sauver Angela Davis. C'est mon badge que j'avais à la manif de Angela Davis à New York en 69, je crois. Collector. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que la diversité, c'est une chose que j'aime et que j'apprécie et qui est notre richesse. Voilà. Merci. Génial, merci beaucoup. Merci. De rien, merci. Et Lavinia, qui n'avait pas pu poser la question tout au début de nos échanges. Bonsoir, Lavinia. Je suis italienne et je suis une étudiante de l'Institut. On a des problèmes de micro, Lavinia. On ne vous entend pas. Alors, Lavinia, on va tester une dernière fois. Rien à faire. Alors, navré, vraiment, on n'arrive pas du tout à vous entendre, Lavinia. Si vous le permettez, je vais poser la question à votre place parce qu'on n'arrive malheureusement pas à entendre votre voix. Vous avez la question. J'ai la question sous les yeux. Quelle est la raison principale du choix de ce métier? C'est bien ça, votre question, Lavinia. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier? Vous avez plus ou moins déjà répondu à la question. Moi, j'ai appris en le faisant et voilà, j'avais le goût de la beauté des choses aussi. Et puis, ce métier-là, ben, je l'ai fait un peu par hasard, mais avec plaisir et en m'amusant et de manière, en y croyant finalement, puisque ça a marché. Voilà, ça m'a encouragée quand j'ai vu comme la presse était intéressée. Parce que je faisais des choses qui n'étaient pas du tout à la mode, hein. C'est comme ça que ça a marché. Et en restant une petite fille aussi peut-être. C'est ce que vous dites parfois. Non. Vous n'avez pas voulu grandir et vous êtes. Non, je ne dis pas ça. Je dis pas ça, mais je dis que j'ai par moments des. Oui, je suis un peu primitive. Je suis un peu. Je sais pas. Difficile de répondre à ça. Bon. J'ai voulu grandir, j'ai eu 5 enfants. J'ai grandi. Oui. J'ai grandi quand même. J'étais obligée. Bon. Alors. Pour clore ces échanges avec nos étudiants, je me permets de prendre la parole à la place d'une étudiante qui ne peut malheureusement pas se connecter et qui souhaitait vous demander si vous aviez des rêves. Si j'avais des rêves. Si vous aviez des rêves. Avez-vous des rêves que vous souhaitez réaliser? Voici sa question. Ah oui, c'est... Non, je sais pas. Moi, je suis très au jour le jour. Je fais les choses, des rêves. Je trouve que je suis très gâtée. J'ai déjà fait la galerie du jour, alors que c'est mon deuxième métier de galeriste, en fait. Donc, j'ai deux métiers. Puis maintenant, j'ai la FAB. C'est un endroit où je peux montrer ma collection dans l'idée de la partager. Donc, des rêves. Je rêve qu'il n'y ait plus le Covid, que tout le monde soit vacciné et que la vie reprenne comme avant. Et je pense qu'on est tellement nombreux à penser ça. C'est ça mon rêve, hein, en fait.
C'est d'aller au bistrot après le travail, c'est d'aller au concert, c'est d'aller. Voilà. De profiter de la vie. Ben oui, comme tout le monde. Au musée. Comme tout le monde, retourner au musée, retourner faire. En voyage aussi. Vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Bon, merci. Bonne chance, tout le monde. J'étais contente, mais regardez le site Agnès B, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir le film là, pour l'été, le film pour. Enfin, il y a toujours des trucs, il y a la radio Agnès B, il y a plein de choses sur notre site. Nous y travaillerons oui. encore, n'en doutez pas, oui, oui, oui. dans le cadre de nos cours. On s'active beaucoup auprès. Sur notre site aussi. C'est le moyen moderne. En ce moment, il y a oui, ça. On communique comme ça. Oui. Alors, faisons ce qu'on peut faire avec ça. Merci. Je vous embrasse. Alors, on va passer aux questions, ah bon aux autres questions. Ah mais bon avant, je voulais, et oui, il y en a encore quelques-unes. Je voulais juste prendre 2 minutes pour vous parler du projet initial qu'on avait eu, en fait, quand on devait se voir il y a 1 an. Oui. On avait programmé une exposition en même temps que votre venue, une exposition d'art textile de Sandrine Thiébaud-Mathieu, qui par ailleurs est professeure d'art plastique dans nos ateliers oui. d'art plastique du centre culturel. Ah oui. Et qui réalise des volumes, alors elle m'en a confié un que je vais vous montrer, qui réalise des volumes, celui-ci est tout petit, mais elle en fait qu'elle en a qui font 50 cm, enfin voilà, avec du tissu, soit de récupération, soit qu'elle achète, qu'elle assemble, qu'elle rebrode à la main, celui-là il est rebrodé à la main, et ce sont des milliers et des milliers d'épingles Bohun fabriquées à 3 bon, qu'elle utilise. Oui. Pour faire ces volumes. Voilà, on avait programmé cette exposition. Ça peut être des œuvres en volume comme ça, accrochées au mur, suspendues au plafond ou alors tendues sur cadre. Et ça fait des paysages absolument incroyables. Voilà, je vous le confie. Ah, c'est léger. Hein. C'est très léger, oui, oui. En fait, c'est le piquage des aiguilles qui, au fur et à mesure, fabrique la forme. Et puis, quand Sandrine n'est pas d'accord avec le résultat, elle redéfait, elle recommence. Jusqu'à ce que ça ressemble à ce qu'elle veut. Voilà, c'est un travail absolument incroyable. Ah oui. Et comme vous parliez, vous disiez que c'était les rencontres qui vous oui. importaient, mmh. on s'était dit, nous, qu'à cette occasion, on vous ferait rencontrer cette femme qui fait des choses absolument incroyables. Oui. Voilà, ça n'a pas pu se faire, non. mais on espère que ça se fera ben oui, autrement. Peut-être, oui. Alors, je vais passer donc à une question de Mounira, qui est au Liban. Sa question, c'est votre quête spirituelle à travers l'écriture serait-elle un moyen d'établir un équilibre avec une vie matérielle pleine de succès ? Moi, je crois que ça fait partie de ma vie, tout simplement. Hein. Mmh. Oui. De toute façon, c'est peut-être en effet relié, mais bon, je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer autre chose. Vous ne le faites pas dans ce but-là. Bah façon, non, c'est quelque chose qui est. Bah oui, bien sûr. Il sort de là. Oui, je crois. Merci. Alors, Marie, France, comment faire pour rendre accessibles des pièces de créateurs sans passer par la fast fashion ? Justement. Pour rendre accessibles des pièces de créateurs, bon, les créateurs, ça dépend des créateurs. Si c'est des jeunes créateurs, il faut. Ils ont besoin qu'on achète des œuvres, des pièces chez eux, mais souvent ils n'ont pas de boutique, enfin c'est compliqué. Hein. Oui. Mais la fast fashion, il faut fuir la fast fashion, je crois. Oui. Acheter moins, acheter moins, mieux, oui, bien sûr. Moi je sais que j'avais très peu de vêtements. À 15 ans, j'avais déjà 2-3 habits de ma sœur. Ma mère me tricotait un pull ou une chemise, on faisait une chemise, j'avais très peu. Chez moi. On avait beaucoup moins de vêtements. On a trop de vêtements, je pense, maintenant. Oui, c'est devenu... Si j'ose dire ça. C'est la sortie du week-end. Oui. Ouais. Ouais. La fast fashion, c'est des trucs qui ne durent pas, qui s'abîment, mais ça fait des tas, des montagnes de vêtements abandonnés. Oui, qu'on ne peut même pas recycler, ni réutiliser. Non. Et le recyclage, ça, faut savoir aussi que le recyclage, ça coûte très cher en eau, en énergie. Le truc recyclé, on y croit, on en parle beaucoup, mais en fait, ça coûte beaucoup d'énergie, et d'eau et tout. Et ça fait des déchets. Et en plus, ça bouloche après. Quand vous faites un pull en recyclé, ben, ça fait des boulettes. Nous, on n'a jamais de boulettes sur nos pulls, non. Non, on n'a pas, ça bouloche pas. On teste les choses. Bon, donc, continuons alors les questions. Mais... Alors, de Maria, en Italie.
J'aimerais que Agnès nous parle de son fameux cardigan. Comment avez-vous décidé que c'était le cardigan qu'il fallait faire? Quelle a été votre inspiration pour le créer? C'est juste que j'avais un sweatshirt en molleton, là, comme ça, la même matière, là, ce coton gratté à l'intérieur, ouais, que j'enlevais par la tête, puis j'avais des longs cheveux et tout, ça m'énervait. Je me suis dit, il faut que j'en fasse un comme ça, ouvert devant. Puis j'ai mis des boutons rapprochés parce que j'ai été élevée à Versailles et que dans tous les tableaux anciens, les boutons sont très rapprochés. Ouais. Et puis je me suis dit que c'est le bruit quand on loue, c'est génial. Clac, ça fait clac, 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 clac. Et voilà, c'est... Mais bon, c'est un vêtement parmi d'autres. Celui-là a eu un succès fou parce qu'il a été très, très copié. Oui. Mais c'est comme mes jupes plissées soleil il y a 5 ans. Il y a eu des jupes plissées soleil partout. Moi, je sais que la première... Mmh. La première, ce n'était pas du tout à la mode, là, j'ai plissé soleil. Et j'en ai fait une noire à mi-mollet et ça a été tout de suite copié dans toutes les matières et tout. Donc, voilà. Encore bon signe. Oui, quand on est copié, c'est bon signe. Oui. Oui. Alors, on arrive à la dernière question de Regina du Brésil. Vous pensez que les années d'expérience dans l'univers de la mode ont changé votre façon de créer ou que le temps vous a aidé à consolider votre style? Je ne suis pas du tout dans l'univers de la mode, donc j'ai suivi ma... Non, mais c'est vrai, je ne suis jamais entrée nulle part, ni chez Kenzo, ni chez Riquel, nulle part, ni chez, je ne sais pas qui, Isabelle Marant, nulle part. Je ne vais nulle part, jamais. Je ne regarde jamais ce que font les autres. Ça, c'est un secret aussi. C'est mieux de ne pas savoir ce que font les autres. C'est mieux de regarder la rue, de se dire « Ah, ça, il ne faut plus faire ça, il faut faire autre chose. » Jamais j'ai été nulle part, moi, je ne regarde pas, hein. Comme ça. Je ne sais pas comment font les autres, s'ils vont ailleurs, mais moi, non. Non. Merci, Agnès. De rien.